Lui, je vais te nommer, c'est le protocole. D'accord. Quand les autres vont ramener, ils viennent de la pluie, on anticipe. Voilà, merci tout le monde d'être venu accueillir moi. Et avant toute chose, nous accordons la parole à Félicien. Très révérend Père Général de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, chers frères et sœurs, honneur, gloire, puissance et louange à notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu de nos ancêtres. Moulo poti papa, you papa ne michi mouetu. Maweja kumulombi, utuwa kupati papa. Yakia bakiabulale, efile mukulushi na mwando, mwando wefile na atwe bantu. Fwele makumbi bubilamba, musake soswe iludi oso. C'est bien lui le maître de l'histoire, qui dans sa bonté infinie, a daigné exaucer la prière, les prières du peuple de Dieu de Kabinda, en choisissant son serviteur, Monseigneur Félicien Tambwe Kasembe, comme évêque de Kabinda. Je prie l'Assemblée de bien vouloir applaudir notre évêque.
Nous lui rendons grâce pour le choix judicieux et pour avoir veillé sur ses serviteurs au cours de ce voyage difficile de Rome à Cabinda avec escale à Kinshasa. Nous voulons en ce jour et au nom de toutes les diocésaines et tous les diocésains de Cabinda présents à Kinshasa, vous présenter, cher Monseigneur Félicien, nos vives félicitations pour votre élévation à la dignité épiscopale. Et à la même occasion, nous vous disons sincèrement merci pour avoir généreusement et courageusement accepté de vous mettre au service de l'Église Famille de Dieu qui est à Cabinda, pour avoir dit oui à la mission des sentinelles qui exige un grand sens de sacrifice, d'abnégation et d'oubli de soi. Il est vrai que la mission est lourde, pesante et exigeante, mais pas écrasante. Vous pouvez à chaque instant compter sur celui qui vous a choisi, sur nos prières quotidiennes et sur notre collaboration. Dans les conditions normales, nous aurions dû nous trouver très nombreux en ces lieux pour vous traduire notre joie et notre disponibilité à vous accompagner et à vous soutenir dans l'accomplissement de la mission pastorale difficile et exigeante que notre Mère, la Sainte Église, vient de vous confier. Malheureusement, à cause des nouvelles conditions que la COVID-19 nous a imposées, un seul petit groupe a été admis à accéder en ces lieux. Et pour permettre à toutes les filles, à toutes vos filles et à tous vos fils qui n'ont pas pu faire le déplacement de l'aéroport, de vous voir et de vous saluer, nous vous prions, Excellence, de bien vouloir accepter de descendre avec nous jusqu'à la maison diocésaine de Cabinda à Kinshasa, votre nouvelle résidence où ils sont tous rassemblés pour vous accueillir solennellement. Nous formulons cette même demande au très révérend Père Général que nous saluons et à qui nous adressons nos sincères et vifs remerciements, non seulement pour sa précieuse collaboration et son encadrement qui a permis à l'Église de vous repérer, mais aussi pour avoir accepté de vous accompagner jusqu'à Cabinda. Je vous prie de bien vouloir saluer le général et de l'applaudir. Monseigneur, très révérend Père, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, capitale de la RD Congo, notre pays. Un séjour heureux et paisible, ainsi qu'une retraite fructueuse. Je vous remercie. Et après, chacun va chercher le moyen par lequel il est arrivé ici pour rentrer à la maison de ses amis. On va tâcher de dégager cet espace pour que les choses se passent bien. Voilà, Seigneur, si vous pouvez nous bénir. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant, regarde ton peuple, ce peuple qui s'agenouille devant toi, ce peuple qui te connaît et qui t'adore. Viens toi-même le bénir. Comble les désirs de son cœur qui sont conformes à ta volonté. Cœur de tout le monde,
et bénis tous les jours qui sont devant nous. En ton nom, Seigneur, j'ai béni ton peuple, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci. Dégager, de laisser l'espace respirable pour que les cortèges s'entendent. Mwanda wa ntumbo bali fukida ali nunu Joseph Jakabinda mwanana bedi kumbuka kunyimo kwa bidi bibidi bishima biyole bipate bikilempananda mwa mafuko bali no bechi kasha twashimisha unuso akune mechibwa Monsieur Valentin Masengo tubashali bubana banshimu kati mwa Joseph Jakabinda talante kuna kodila kwa bana baba na Kabinda ba Joseph mushima le nunu mwanana betu kumbuka betu tumina mufubi ayi mukata mwikale mukata akwimanya chibundi chabana befili mukulu mu Kabinda mu Joseph Dishima bwanshya muno kushinda kudombola yaye mikoko ibari shale bo bana banshiye ndo distanga jo munanga miluyo sibatu ku batata bababa bachinga bakulu boso na bansu mabasonga banshi tufite muko kuchila mwenye tuko uchile mwenye betu fa mwanana njo kumunanga kuchipalo kutu kiandi chino nchiyule boso bena Joseph Jakabinda na bana betu boso be province alumami wanshi tumusemenshi njawa bafiki njawa tatu mkubi mwenye abetu wanshi afita lumbule do Joseph Jakabinda mwenye wana ufana uyule wawe njo jisanga tuna boso panu fedu Je conseille tout Shanga en dehors Yakumona Kwemi, Nebolo, Mwambenshi, un seul corps, une seule lame, Njo Nangunangu, Yedikata, Admutushi, Admuat. Tu t'en combats et tu bunge, na tu bunge, Pomonene, tout Michemudim, tu bache, Josèse, tu en de Bosso Kumpala, Mwanda, Tubana, Bamuntu, Tubana, Balfata. Tubana ba eklesia chikata kwambashi eklesia ende kumpala bantu mbo ya mwana ni filmu kulu na lufandu nwane tu bantu ya mwa du collectif, du mouvement collectif pour le changement de l'Omami. Vous êtes venu accueillir son Excellence Félicien Tambwe. Quelle est votre première impression? Et vous avez suivi également le discours de l'administrateur de 16 ans. Et qu'est-ce que tout cela vous dit? Bon, d'une manière très générale, nous souhaitons d'abord la bienvenue. Son Excellence, Monsieur l'Évêque, et le collectif est satisfait. Et est prêt à l'accompagner dans sa mission au niveau de la diocèse de Kabinda. C'est un peu ça, nous sommes vraiment très satisfaits de sa présence et nous souhaitons, une fois de plus, que sa présence pourra emporter un plus sur le plan du développement de notre province. Vous estimez qu'avec la lutte que vous avez pour le changement de l'Omami et qu'il y a un nouvel évêque à la tête du diocèse, est-ce que votre objectif sera atteint? Nous croyons en lui, c'est pourquoi nous le souhaitons vraiment une chance. Et aussi la bienvenue. Nous croyons en lui, nous pensons qu'ensemble avec la lutte du collectif pour le changement de la Lomami et sa vision en lui, le développement tant attendu et tant souhaité sera vraiment quelque chose de nouveau, bien qu'il va devoir arriver dans un bref délai dans notre province. C'est une joie immense de tout un peuple derrière son évêque. On était content de conduire cette délégation de l'honorable Véronique Lumanu ou du couple des honorables Lumanu qui tenaient à tout prix de mobiliser leur base pour l'accueil de l'évêque Félicien Lubamba. Et nous sommes très contents que nous ayons retrouvé, après le décès de l'évêque Valentin Masengo, aujourd'hui nous avons un nouvel évêque chez nous et c'est une joie. Et nous appelons toute la population de Kabinda
à se mobiliser pour accueillir ou réserver un accueil chaleureux à son Excellence Monseigneur Félicien Lubamba pour que son mandat soit une réussite totale. Croyez-vous que l'avènement des nouvelles évêques a un changement sur la vie politique de l'Omamia? Ben, il faut déjà d'entrée de jeu savoir que l'avènement d'un évêque, l'évêque, il est spirituel, il est le père spirituel de toutes tendances confondues, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, mais tous les politiciens ont besoin de l'évêque. Donc l'évêque doit se montrer être au milieu du village pour fédérer toutes les tendances du diocèse de Cabinda tout autour de lui pour faire décoller et l'Église catholique, bien aussi le développement dans notre diocèse de Cabinda. L'honorable ou encore le PCA Yoroyakimba a demandé les acteurs politiques à mettre de côté leurs intérêts et à accompagner l'évêque pour sa nomination. Vous accueillez ce message? Oui, c'est un très bon message. C'est un très bon message. Nous ne devons pas continuer à nous diviser. L'évêque, moi, s'il faut que je lance aussi un appel à son Excellence, Monsieur Monseigneur Félicien, c'est juste qu'il soit l'église au milieu du village. Il doit avoir un pouvoir fédérateur. Il doit fédérer toute l'énergie tout autour de lui pour faire avancer les choses et amener l'Omami à un développement ou les diocèses de Cabinda au développement. Nous devons taire toutes nos divergences et regarder dans une même direction. Tout ce qui appelle développement doit nous réunir pour aller de l'avant. Thank you.
Je vais la
Il va suivre. Monsieur l'abbé, professeur, s'il vous plaît. Nous remettons dans les mains de Dieu. Nous allons demander à votre aîné, l'abbé Stani, de nous introduire par la prière. Monsieur l'abbé, à vous la parole. Saint-Esprit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de ce rendement pour notre évêque qui vient d'arriver parmi nous. Et nous te remercions pour son choix et ta protection au long de tout son voyage qui doit le conduire jusque dans son diocèse de Cabinda. Donne-lui beaucoup de grâce pour cette charge, afin de mener à bien ton troupeau dans son diocèse de Cabinda, tout dans l'unité d'un seul cœur et une seule âme. Cor unum et una anima. Que ta main l'assiste et que l'Esprit Saint soit sur lui dans ses multiples entreprises pour le bien et le développement de son diocèse. Avec son supérieur général et les gardiens, et que ceux qui doivent faire encore un voyage retour les fassent un bon retour jusqu'à leur domicile, à côté de notre évêque. Ne lui manquez pas et qu'il soit la prunelle de ton œil. Tout cela, Seigneur notre Dieu, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui s'est offert pour nous et qui est toujours avec nous dans tout ce qui peut nous arriver. Nous te demandons et nous te remercions, et tous les peuples ici, tous les chrétiens, nous te remercions toujours et encore beaucoup. Nous avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va dire un petit mot de bienvenue à mon Seigneur. Seigneur Félicien Tamboué, évêque du diocèse de Cabinda. Révérends abbés, révérends sœurs, révérends frères, distingués membres de notre assemblée, à vos titres et qualités, tout protocole est respecté. Chers frères et sœurs dans le Christ, voici les jours que fit le Seigneur, qu'ils soient pour nous jours de fête et de joie. Psaume 118, verset 24. Ces paroles retentissent dans les bouches du peuple de Dieu du diocèse de Cabinda aujourd'hui, car c'est depuis le 26 octobre 2018 que ce peuple est resté orphelin par suite du décès de son Excellence Monseigneur Valentin Massengo, de heureuse mémoire, qui rendait vacant les sièges épiscopales. Aujourd'hui, tu as exaucé nos prières en inspirant sa sainteté le pape François, qui a porté son dévolu sur votre personne en vous élevant à la dignité épiscopale comme pasteur propre du diocèse de Cabinda. Et cela, depuis le 23 juillet passé, motif de joie et d'allégresse. Pour cet acte d'amour de la part de notre Dieu, j'invite le peuple de Dieu à manifester sa joie par des vibrantes acclamations. Excellence Monseigneur Félicien Tamboué, vous voilà aujourd'hui pasteur propre du diocèse de Cabinda. Laissez-vous conduire par le bon Dieu tout au long de votre épiscopat. Une tâche si lourde qui exige beaucoup de sacrifices et d'abnégation.
Que la lumière de l'Esprit Saint éclaire vos pas, vos idées et vos actions. Que la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, vous assiste et intercède pour vous dans votre charge. Ce mot sont les vœux les plus ardents de cette auguste assemblée réunie pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Excellence Monseigneur, que votre devise cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme, qui est l'expression concrète de votre désir de rassembler le peuple de Dieu dans l'unité selon la volonté divine, imprègne votre action pastorale et anime non seulement les presbytériums, mais aussi les fidèles chrétiens du diocèse dont la charge vous est confiée. Excellence Monseigneur, évêque du diocèse de Cabinda, révérends abbés, révérends sœurs, révérends frères, distingués membres de notre assemblée, à vos titres et qualités, tout protocole est respecté. Chers frères et sœurs dans le Christ, pour clore ces mots, nous réitérons nos sentiments de joie les plus vifs à l'endroit de notre nouveau pasteur, Monseigneur Félicien Tamboué. Que vive l'Église universelle, que vive le diocèse de la République démocratique du Congo, que vive le diocèse de Cabinda, j'ai dit. Je suis ému de voir combien vous vous êtes dépensé, combien vous vous êtes mobilisé
pour réserver à votre nouvel évêque l'accueil que vous lui offrez ce soir. Certains ont dû attendre des longues heures. D'autres ont dû braver le parcours qui conduit jusqu'à l'aéroport, parfois sous le soleil et dans les embouteillages. Tout cela m'a ému et me laisse sans parole. Je ne sais pas en fait comment je dois vous remercier. Je prierai pour que le Seigneur puisse vous assister et vous accorder ce que vous désirez. Amen. Sincère, une joie profonde que vous exprimez. Je crois comprendre que c'est l'expression peut-être d'un grand désir. Un grand désir qui est d'une certaine façon comblé aujourd'hui. Vous aviez prié pour avoir un évêque et le Seigneur vous a répondu. Je pense que c'est aussi l'expression d'un désir qui reste encore à être comblé. Désir d'avancer sur les chemins du Seigneur. Désir de redonner vie à notre diocèse. Désir d'une plus grande sainteté, d'une plus grande communion. Désir d'un relèvement. Par rapport à ce désir, je voudrais vous dire mon engagement entier, total. Je ne saurais pas me laisser corrompre, ni par ma propre volonté, ni par une quelconque autre volonté. Je viens en fait parmi vous comme un serviteur. Pour servir à la manière de Jésus et pour que le règne de Dieu puisse avancer parmi nous. Ce sera le service de l'unité, le service de la communion fraternelle, le service de l'amour fraternel et de la solidarité de tous, pour le bien de tous, pour le bien de tout notre diocèse, sur tout son territoire. Vous avez compris pourquoi j'ai choisi la devise épiscopale que j'ai choisie. Nous aurons le temps de pouvoir l'approfondir et l'expliquer avec plus de détails. Maintenant, je ne vais pas beaucoup vous fatiguer. Vous allez permettre que je vous présente certaines personnalités qui nous ont accompagnés. En tout premier lieu, je voudrais vous présenter mon supérieur général. C'est mon supérieur général. Nous venons de travailler 3 années ensemble à Rome. Mais nous avons aussi une histoire tout à fait particulière qui nous unit depuis 31 ans aujourd'hui. Tous les deux totalisaient 30 ans de profession religieuse. Mon supérieur général s'appelle le père Charles Poupouta. Ayant appris la nouvelle de ma nomination comme nouvel évêque de Cabinda, il a dit qu'il allait m'accompagner jusque chez nous à Cabinda. Je le prie de se lever pour que nous... Applaudissons pour le maintien. Un peu plus américain que congolais. À partir de là où nous étions à Rome, jusqu'au Cabinda
pour le voir commencer son nouveau apostolat. Camerounais d'origine, missionnaire ici chez nous, et de prier pour notre diocèse à Cabinda. Amen. Comme vous savez, la mission qui nous attend là-bas est une mission immense, exigeante, délicate, abondante. Je compte sur votre prière et sur votre soutien afin de faire avancer cette mission qui nous est confiée à nous tous. Merci beaucoup. C'est une joie parce que nous sommes venus soutenir et accompagner notre nouvel évêque. Vous voyez, le diocèse de Cabinda a passé plusieurs années sans évêque. Et donc, lorsque nous avons appris qu'il a plu au Saint-Père de nommer un nouvel évêque, nous avons mobilisé les nôtres pour aller l'accueillir et nous voici ici présents pour exprimer notre joie. Notre présence ici, c'est pour lui témoigner notre accompagnement et nos prières. Nous l'avons suivi et nous pensons que les messages qu'il a communiqué à la population ici représentée, c'est un message d'espoir parce que Cabinda a besoin d'un nouveau pasteur et ses pasteurs, c'est lui qui a été désigné aujourd'hui. Nous lui souhaitons un fructueux mandat pour le bien de la population du diocèse de Cabinda. Non, c'est une expression de joie parce que quand un fils accède à des fonctions supérieures et surtout des fonctions spirituelles, des fonctions de qualité, qui va s'occuper des âmes, mais ça ne peut que faire la joie de tout le monde. Et surtout que lui-même, dans son mot, il a dit que c'est pour le développement de notre diocèse. On peut prier, tout ça, mais quand les fidèles ne se retrouvent pas, il faut que les prières que nous envoyons à notre Père puissent nous retourner en bénédiction, qu'on voit dans des actes concrets. C'est ça qui explique la présence de tout le monde ici.
toutes les tendances confondues du diocèse de Lomami, diocèse de Cabinda. Voilà. Nous pouvons dire que l'arrivée de Monseigneur vient mettre fin à la hache de guerre qui était parfois entre certains chrétiens ou encore certains chrétiens, la méfiance entre les chrétiens et les hommes de Dieu. Bon, moi personnellement, je n'ai pas suivi la méfiance entre chrétiens. La méfiance entre les politiques. Donc l'église, elle est au milieu du village. Je n'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas suivi la méfiance entre chrétiens. Entre, non, c'est la méfiance entre les hommes politiques. Vous êtes un natif de Cabinda, de Lomami et tout ça. Et si Monseigneur vous posait la question, je dois commencer par où? Qu'est-ce que vous allez dire? Je dois commencer par là où il a commencé. Il a dit un seul cœur, une seule âme, l'unité. Comme nos cocos, nos disent quoi les Belges. L'union fait la force. Unis, nous sommes forts. Donc, on doit commencer par rassembler et les politiques et les chrétiens, tout ressortissant, tout vivant dans son diocèse, doit rayonner pour l'unité et pour le développement de notre diocèse. Merci beaucoup. Je vous remercie. D'abord, je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu qui a exaucé nos prières, nous, du diocèse de Cabinda, en opérant son choix sur son serviteur, notre nouvel évêque Félicien Tambwe Kassembe. Vous savez le rôle que l'Église catholique joue dans l'unité, dans l'harmonie, dans le rassemblement des communautés, dans les questions liées au développement chez nous. Et aujourd'hui, qu'après un long moment d'absence sans évêque, que le Saint-Père ait compris nos prières et exaucé nos prières, donc Dieu le Père à travers le Saint-Père, je ne peux qu'en exprimer ma gratitude à Dieu. Et en même temps, me réjouir du discours ô combien profond que notre nouvel évêque vient de prononcer. Un discours qui fait appel à l'unité, un discours qui nous appelle, nous tous du diocèse de Cabinda, à tourner nos regards vers Dieu, à travailler dans la solidarité, afin que nous puissions non seulement nous aimer, mais également de fonctionner ensemble pour le progrès de tous. Donc son discours est, on ne peut plus rassurant. C'est un discours très responsable, un discours de quelqu'un de suffisamment équilibré. Ça me convainc qu'effectivement, les choix qui est opéré par le Saint-Père, c'est un choix judicieux et responsable. Et je ne peux qu'en être reconnaissant et m'en réjouir. Voilà l'impression que j'ai à chaud pendant ce moment que nous sommes en train de passer les moments festifs ici à la maison diocésaine de Cabinda, ici à Kinshasa. Merci. Je vous en prie. Nos impressions sont vraiment les impressions de satisfaction. C'est pour nous une joie. En tant que jeunes, nous devons accompagner notre nouvel évêque dans ses missions pastorales. Voilà notre présence en ce lieu. Parce que le diocèse de Cabinda a besoin de développement, de son décollage. Voilà pourquoi nous, en tant qu'une jeunesse engagée dans le développement, une association sans but lucratif, nous sommes venus l'accompagner pour lui montrer notre soutien à son égard et que les diocèses, nous devons être réunis car tous ensemble, nous devons évoluer, aller de l'avant. Merci. Merci. Tout d'abord, tu n'as dit 5 ans, déjà si tu vas faire mon Seigneur et mon bien, qui est toi qui dis qu'en gars, le filo, le tout beau, sobo et tout, la connu que fait croyer, déjà impression à Kumpala, tu n'as dit 5 ans, moi, on a tout ça chez mon tout, à qui tu coupes pour solidarité, unité, effectivement, qui est toi qui camba que tout, Kalaka, ça qui a tout qui est chic à qui est quoi et tout, Kabinda. Alors, il y a une unité, une solidarité. Dans certains moments donnés, il y avait une petite méfiance entre les chrétiens
et les clergés. Il y a des périodes, il y a des étapes, il y a des temps. Hein. De temps en temps, ça dépend aussi de... À cette période, qu'est-ce qui caractérisait? Il y a aussi des crises qui peuvent naître, peut-être d'intérêt ou de quoi. Mais le temps que nous sommes restés un peu plus longtemps, tout en attendant un nouveau évêque, et puis on en sent que toutes les crises ont diminué et tout le monde attendait. Et comme on a un nouvel évêque, voilà, nous espérons que tout est consommé et tout va bien. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, je suis chrétien. L'Église catholique est une Église chrétienne. Je pense que nous partageons la même foi parce que nous tous, nous acceptons Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. La motivation qui m'a poussé à être présent à cet endroit, c'est parce que, oui, c'est vrai, nous vivons à Kinshasa, mais l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre âme, respire Kabinda, vit Kabinda, ainsi de suite. Quand on nous a annoncé que notre diocèse avait un nouveau évêque nommé par sa sainteté, c'était un sujet de joie. Voilà pourquoi on avait décidé d'être présent pour saluer ces grands événements. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, quand il s'agit des frères, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de confession religieuse. Lorsque un frère est élevé, nous devons faire l'unité autour de lui. Voilà ce qui nous amène ici. En plus de cela, n'oubliez pas que les diocèses de Kabinda, comme tous les diocèses de l'Église catholique, sont des structures de développement. Et alors, aujourd'hui qu'on a un évêque dynamique, je pense que beaucoup de projets de développement passeront par les diocèses. C'est pour cela que nous devons l'encourager, parce que à Kabinda, par exemple, il n'y a pas d'opérateur économique plus que les diocèses, du moins tel que nous l'avons connu. Donc nous devons soutenir parce qu'à partir du diocèse, les projets de développement peuvent passer et certains programmes peuvent passer par les diocèses parce qu'on tient compte aussi de la moralité et l'Église catholique a toujours fait preuve de cette moralité. Donc ça peut être ils peuvent être les meilleurs coopérants avec le gouvernement, avec les organismes internationaux pour le bien du diocèse. Voilà pourquoi nous sommes là. L'avènement de Monseigneur Félicien Tambo, est-ce que ça va pousser à vous les politiciens de mettre fin à vos querelles? Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que moi je ne suis en conflit avec personne. Ça, c'est un des deux. Je crois que comme dénominateur commun, comme quelqu'un qui n'aura pas de frontières, il peut réconcilier ceux qui sont en conflit, mais nous autres, je crois, nous entrons partout. Et, tel que je le connais, parce que moi je l'ai connu. D'abord, nous l'appelions Lavoisier, quand il était à Kintukimune. Et nous avons prié ensemble au renouveau charismatique. À l'époque, on parlait de la communauté de l'agneau. Et c'est de là que sa vocation a commencé à germer petit à petit. Et nous l'avons vu grandir jusqu'à ce niveau. Donc c'est d'abord un frère à nous, je dirais un ami, quelqu'un avec qui on a partagé la même foi pendant plusieurs années avant qu'on ne se sépare. Voilà pourquoi on ne pouvait que venir. Et je crois que si, parce que vous avez parlé de politiciens, vous voyez qu'ici il y a toute tendance confondue. Ici il y a aussi toute confession confondue. Je crois que pour les biens du diocèse, nous pouvons taire nos divergences et aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. C'est moi qui vous remercie.